je bouge. Je suis remplie et j'ai chaud. Oh, oh, oh putain. Oh, je vais chercher du pain. Ah, j'aime pas le piment, putain, pourquoi tu fais ça? Et Nissa, j'ai... Oh putain. Oh putain. Oh, je l'ai pas vrai. Oh là, hey, c'est Narcote, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept sur la chaîne. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous le voyez un petit peu dans le titre de la vidéo, ça va commencer aujourd'hui par... je sais pas encore qu'est-ce que j'ai mis dans le titre, je vous explique après. C'est YouTubeur abuse. C'est le titre de ce concept. En quoi du coup ça va s'agir? Il s'agit en fait d'un... type de vidéo, d'un format de vidéo dans lequel je vais essayer de débunker un petit peu des vidéos que certains youtubeurs font. Alors je vais donner des exemples très simples en commençant par l'exemple d'aujourd'hui. Ça va être les ramen, les nouilles instantanées les plus fortes du monde. Voilà, donc on a souvent des youtubeurs qui ont des réactions complètement abusées. Oh il faut boire, je cours, je transpire. Pas. par exemple, encore une fois, un exemple avec le surmstroming, vous savez, le poisson là qui sent ultra fort en conserve, etc. Il y a des gens qui vomissent et tout machin, c'est des réactions que moi je trouve complètement abusées. Il y a ce genre d'exemple avec plein de choses, avec des piments, etc., etc. Bref, dans ce type de vidéo, je vais essayer d'avoir la réaction la plus normale possible. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais en fait, t'as rien compris à YouTube. YouTube, le but, c'est d'avoir des réactions de fou, exceptionnelles, complètement abusées, pour faire rire les gens, parce que sinon, si on mange un truc ultra épicé et qu'on se dit, ouais, bon, bah, ça pique. Voilà. Allez, salut! Ouais, forcément, c'est pas intéressant. Mais justement, avec ce type de vidéo, je vais essayer de voir quelle est la véritable réaction que moi j'aurai en testant ce genre de produit. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer avec les nouilles les plus puissantes du monde. Je vous ai dit au début de la vidéo, je savais pas quel titre mettre. Je sais pas si je vais mettre ces youtubeurs abusent 2 points les nouilles les plus fortes du monde, ou alors ces youtubeurs abusent 2 points et le nom d'un youtubeur. Je sais que c'est mal vu de mettre le nom d'un youtubeur dans le titre, mais c'est aussi ça qui fait des vues. Donc on va voir comment je vais faire. Si je mets juste les nouilles les plus fortes du monde et que ça marche pas, je vais mettre le nom de youtubeur. Si je mets le nom de youtubeur et que je vois que c'est trop abusé, je vais mettre les nouilles les plus fortes du monde. Bref, on va voir. Donc bah écoutez, on va commencer la préparation de ces nouilles les plus fortes du monde. Écoutez, j'ai trouvé dans le magasin chinois à côté de mon boulot. Pas très très compliqué à trouver. Puis on va voir si c'est vraiment les trucs les plus forts du monde, si c'est complètement abusé ou pas du tout. Allez, on est parti. La préparation. Ok, on a mis l'eau à chauffer pendant ce temps. Que contient du coup ce petit paquet de ramen? Donc il y a forcément les nouilles que je vais sortir juste après. J'espère juste qu'on boit les tasses grand. C'est l'inquiétude ultime. Donc voici les nouilles que je vais poser délicatement. Ici, nous avons 3 autres petites choses. Hop, alors, nous avons d'abord ça. C'est certainement les épices. Il y a marqué 2 fois spicy. Attention, ça pique de ouf. Voilà, voilà. Ça, c'est des petits morceaux de piment. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais moi, je vois un petit peu en transparence. Ouais, on voit rapidement. On voit un petit peu en transparence, c'est des petits bouts de piment. Et j'avais cru voir un autre truc dedans. Ah non, c'est tout. J'ai rien fait tomber. Non. Ben, il n'y a que ça. Très bien. Et ben, de l'eau chaude, ça, les épices. Et puis, ben, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais ça a l'air quand même bien, bien costaud, ces nouilles. Ok, alors on a de l'eau bien chaude. On a notre petit bol, je me suis mis là, j'ai changé un petit peu d'endroit. Où est-ce que je vais pouvoir mettre, que vous voyez bien? Ici? Ouais, ça va. Allez, on va mettre l'eau, putain par contre ça rentre pas en entier. C'est relou. Ok, donc ça y est, tout est rentré dedans. C'est parfait, maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça cuise. Oh, 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 que ça se réhydrate surtout. Alors, je viens de lire un petit peu les instructions qu'il y a marquées derrière. Et il s'avère que pour que ce soit le plus fort possible, c'est marqué donc qu'il faut laisser ça cuire pendant 5 minutes, jusque là tout va bien. Qu'ensuite il faut enlever 8 cuillères
à café du liquide du coup de cuisson qu'il faut le mettre à chauffer avec ce sachet là dans une casserole pour bien que ça infuse le goût et qu'ensuite on remet sur les nouilles avec les épices. Donc écoutez, pour que ce soit le plus fort possible, et ben c'est ce qu'on va faire. J'attends que ça continue un petit peu à ramollir. Je vais le faire en off parce que ça sert à rien. Je vais récupérer l'eau du coup qu'il y a dedans. Je vais la mettre dans une casserole avec les épices, reverser dessus ensuite et mettre les petites épices comme ça. Et puis on va voir ce que ça va donner. Ah, bon, j'ai viré toute l'eau. J'en ai gardé 8 cuillères que j'ai mélangées avec le sachet d'épices. Ouh, ça a une couleur bien particulière. Ah ouais. Ah ouais. Ça a une couleur à qui fait peur. On va pas se cacher quand même. Tac. Ensuite, il faut mettre le petit sachet d'épices. Donc c'est les piments. Ouais, c'est des bouts de piment avec des espèces de grains de sésame. Bon, écoutez, je vous montre tout ça tout de même. Voilà, vous avez bien le focus avec la bonne sauce. Hop. Je vais chercher une fourchette et on est parti. Allez, on est parti du coup pour le test des nouilles soi-disant les plus fortes du monde. Qui en a fait pleurer beaucoup sur les YouTube, hein, n'est-ce pas? Qui en a fait crier d'autres? Et bah écoutez, on va voir si ça va être le même cas pour moi avec la réaction la plus naturelle possible. Allez, on est parti. Alors ça va être un peu chaud. Bon appétit. Alors, c'est très bon, ça pique, ça on ne peut pas le nier, absolument pas, ça pique fort, ça pique fort fort fort, ça c'est indéniable, mais la vérité les gars, ça pique fort, alors oui ça pique fort, mais peut-être pas comme, comme un piment, hein, comme un gros piment je veux dire. Là c'est plus du niveau d'un petit piment oiseau vert, vous savez, ou rouge, des petits piments là. Mmh. Et plus vous mangez, et plus du coup, ce goût pimenté est estompé parce que vous avez votre bouche qui est déjà imprégnée du piment. Et là, vous appréciez vraiment le goût du piment. Et je trouve ces nouilles franchement très bonnes. Mmh. Un peu chaud, mais très bon. Alors, si vous êtes... Excusez-moi, si vous êtes sensible au piment, évidemment, ça va vous chatouiller un petit peu la langue et le palais. Et les lèvres, ça pique un petit peu, c'est vrai. Mais il n'y a vraiment rien d'insupportable dans ces nouilles. Je ne comprends pas pourquoi on va venir pleurer, on va venir dire « Oh, je transpire ». Nous sommes en été, en période de canicule, il fait bien chaud dehors, il y a tout qui est fermé. Je peux vous assurer que... Oui, je luis un petit peu. C'est vrai que ça pique. Je transpire, hein. On va pas se le cacher. Mais, encore une fois, voilà, ce type de vidéo est là pour démontrer que certaines réactions sont plus qu'abusées pour essayer justement de divertir au maximum, mais que c'est des réactions complètement fausses. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie à tous d'avoir regardé ce jeu. Cette vidéo. Si dans le titre j'ai mentionné un youtubeur, je n'ai absolument rien envers ceux ou ces youtubeurs. Je suis là simplement pour faire du divertissement, pour montrer qu'il est évidemment possible de manger les nouilles les plus puissantes du monde sans pleurer, sans crier au drame ou ce que vous voulez. C'est totalement normal d'avoir des réactions exagérées, on va dire, pour amuser, ça pique un peu, hein. Pour amuser un petit peu et pour divertir son audience, je le comprends tout à fait, mais voilà, là je vous montre le côté véridique et le côté pas drôle, certes, de la dégustation des nouilles les plus fortes du monde qui ne nécessitent pas tant de... vous m'avez compris. C'était Narco, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Dites-moi si ce concept... vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos avec quels produits que je pourrais tester, manger, etc.
comme par exemple le surstroming ou des piments, ou dites-moi si vous avez des idées. Un gros pouce bleu si ce format vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Narco. Salut tout le monde.